Bonjour. Alors, vous allez être surpris. Aujourd'hui, on va parler de l'Eurovision. Ce n'est pas tellement dans les habitudes de Michel Midi, mais cette année-ci, ça vaut la peine. Qu'on aime ou qu'on déteste l'Eurovision, ça vaut la peine d'examiner ce qui se passe là-bas, tout simplement parce que ça se passe à Tel Aviv, la capitale d'Israël. Il y a déjà une première remarque, c'est qu'Israël, dans l'Eurovision, Israël n'est quand même pas en Europe, donc pourquoi? C'est la même chose pour le foot, pour le sport, etc. Mais bon, il y a plus important encore, c'est que, en fait, c'est devenu une grosse campagne de propagande pour Israël sur le thème, nous, ici, on a une société ouverte, tolérante, regardez, les homosexuels, pas de problème, on en fait même tout un tourisme. Et donc, c'est devenu une opération de pinkwashing. On parle ces temps-ci de greenwashing, les multinationales qui polluent et qui essayent de se donner une image. Et là, Israël essaye de se donner une image aussi. Pour en parler, j'accueille Oliviero Acelio, Bonjour. qui est, bonjour, qui est le porte-parole de Rainbow House ici en Belgique, qui donc, deux mots de présentation. De la Rainbow Oui. House, c'est la coupole des associations LGBTQI+, donc lesbiennes, bisexuelles, gays, trans, queer, intersexes de Bruxelles. Et alors je vais parler à la fois pour la Rainbow House et à la fois pour moi, parce que je ne sais pas toujours, enfin la ligne de la Oui, bien Rainbow House n'est sûr. pas toujours hyper claire sur C'est ça. personnel. Voilà. OK. Vraiment. Bien. Donc, c'est important justement de voir qu'il y a des gens qui ne tombent pas dans le panneau de cette propagande israélienne. Alors, ce qui est intéressant à signaler, c'est que il y a toute une campagne de propagande avec, par exemple, ici, cette image qui est assez magnifique. Regardez bien. Vous voyez l'étoile de David, donc le symbole du drapeau israélien, mais au lieu d'être bleu et blanc, il est toutes les couleurs, symbole de mouvement homosexuel. Un commentaire sur cette Oui, image? donc c'est couleur arc-en-ciel, quoi, couleur rainbow. Et donc oui, c'est le symbole LGBTQI. Et oui, c'est, je pense, le seul pays à ma connaissance qui récupère son drapeau et qui le pinkwash, qui le rainbowise, si vous voulez. Et donc c'est évidemment dans un but politique clair. Oui, on a ici une autre image. Welcome to Israel, we drink in colors. C'est important pour Israël, cette campagne de récupération C'est de. très important. Donc, ça veut dire que c'est à la fois deux mouvements en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution des droits LGBTQI+ en Israël, qui est quand même commencé avant le pinkwashing, et il y a une récupération maintenant de ça afin de dorer l'image d'Israël, c'est-à-dire de la rendre positive, progressiste, moderne, surtout pour parler aux Occidentaux européens, qui sont parfois plus mitigés que les États-Unis dans le soutien. Et donc, du coup, il faut y aller avec le véganisme, avec le purple washing, les droits féministes, avec le greenwashing, donc les droits écologistes, et alors maintenant le pinkwashing, c'est un peu plus vieux. Donc, c'est-à-dire représenter Israël comme un paradis pour les personnes LGBTQI+. C'est quand même assez original parce que c'est pas justement l'image qu'on se donne d'Israël. J'ai lu des statistiques que le taux de gens qui considéraient l'homosexualité comme acceptable était beaucoup plus bas que dans nos pays. Bien Et sûr. pourtant, Israël fait cette campagne, on ne comprend pas très bien, ça a l'air Mais contradictoire. en fait, c'est un peu forcé le peuple israélien, même si par rapport au reste du pays de la région, le peuple israélien est un petit peu plus progressiste sur ces questions-là. Mais il y a eu quand même, par exemple, un juif orthodoxe radical qui a poignardé des LGBT lors de la Jérusalem Pride en 2015. Il y a eu des fusillades devant le centre de Tel Aviv en 2009, le centre LGBT de Tel Aviv. Et donc 47% apparemment de la population israélienne considère l'homosexualité comme une maladie, donc même pas acceptable, une maladie. C'est 5% des Belges, par exemple. 10% des Français. Donc voilà, apparemment la population israélienne n'est pas particulièrement gay-friendly, LGBT-friendly. Mais les politiques du gouvernement israélien sont véritablement orientées vers ça, parce que ça devient très très, très, très intéressant d'utiliser les droits, et ça donne une image hyper positive, et aussi ça permet d'invisibiliser ce qui se passe à côté en Palestine, Donc c'est du évidemment. marketing politique. C'est du marketing politique, oui, et c'est aussi du tourisme. Ah Ça oui, ça participe aussi au devient un tourisme. commerce. Donc il y a les Pride, il y a les festivals du film LGBT de Tel Aviv, il y a une production cinématographique très importante LGBTQI israélienne, avec des couples donc homosexuels, parfois palestiniens, parfois israéliens. En général, le membre du couple palestinien est présenté d'une famille arriérée, rétrograde, fermée. Le membre du couple israélien est présenté comme d'une famille plutôt Donc progressiste. ouverture d'un côté et racisme Voilà. profond en même temps. C'est ça, on utilise ça. Et alors il y a donc des prides, des festivals, de la musique, plein de fêtes gays. Surtout gays, surtout pour les hommes gays. Et donc, voilà, il y a toute une propagande très importante derrière. Pardon. Alors, tout ça, moi, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai entendu ça. C'est pas ce que j'attendais du gouvernement israélien.
Et je suis allé voir d'où venait cette campagne, d'où leur est venue l'idée. Et là, je recommande à nos lecteurs le fameux bouquin La propagande d'Israël de Ilan Pappé, qu'on a publié chez Investigation. Et il explique dans l'épilogue comment est venue cette idée qu'on n'attendrait pas du tout dans la tête de Netanyahou et compagnie. En fait, il dit que ça a commencé en 2005. Le ministère israélien des Affaires étrangères, le cabinet du Premier ministre et les finances ont pris la conclusion de 3 années de consultations d'entreprises de marketing. Et, pardon, ils ont lancé Brand Israël, la marque Israël, avec d'énormes montants pour des opérations étrangères. Et en fait, je lis là toujours chez Ilan Pappé, la tâche principale de Brand Israël consistait à dépeindre le pays comme un paradis sur terre, un rêve devenu réalité. Israël allait désormais être identifié à la beauté, à la joie de vivre et à la réussite technologique. Et donc, il explique toute une série de documents citant les experts en marketing et les dirigeants politiques d'Israël qui disent, voilà, nous savons que les interprétations fautives d'Israël sont partout présentes dans les médias. Les citoyens ordinaires du monde entier perçoivent Israël comme une nation violente dans une région plongée dans les turbulences et la guerre. Comment, dit-il, allons-nous modifier les perceptions? Et voilà. Il y a un rapport toujours cité par Pappé, plutôt que de le tiens d'un rapport pardon du ministère israélien des Affaires étrangères qui dit plutôt que de remporter la discussion avec des faits, des informations ou des considérations morales, traitons Israël comme une marque, lançons le marché comme un produit. Et donc on a fait appel notamment à des grands experts de la pub qui s'appellent les frères Saatchi, qui sont très très c'est une des deux ou trois plus grandes firmes de publicité et de marketing dans le monde. Et avec les frères Saatchi, on a identifié les groupes cibles, ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis, c'est-à-dire les progressistes parmi les intellectuels, et les gens de 16 à 13 ans. Et donc, dans ce rapport, on dit, voilà, on a donc affiché des Miss Israël en bikini très mini et de jeunes et séduisants homosexuels en tenue de bain. Donc c'est toute une stratégie, ça tombe pas par hasard, c'est pas l'initiative de quelqu'un, c'est vraiment le gouvernement Tout à fait, oui, c'est qui sont là financé. derrière. Hein. Le centre LGBT de Tel Aviv, il est financé par la municipalité de Tel Aviv. La Pride de Tel Aviv, la dernière, avait 250 000 personnes pour un pays d'environ 9 millions d'habitants. La Belgique fait 11 millions d'habitants, il y a 100 000 personnes. La Belgique est beaucoup plus LGBT-friendly qu'Israël, les pays avoisinants aussi. On n'a même pas la moitié des participants à la Pride. Donc il y a vraiment de l'argent énormément investi pour le tourisme, pour faire des énormes Prides qui montrent au monde entier à quel point Israël est ouvert. Il y a aussi donc toute l'industrie cinématographique dont je parlais, et il y a les prises de parole politiques de Netanyahou lui-même, qui jamais ne parle positivement des homosexuels dans son pays, mais qui critique ouvertement la politique iranienne, par exemple, où c'est la peine de mort pour homosexualité, quand il est à l'extérieur, par exemple aux États-Unis. Il y a donc deux discours, discours Voilà. international et discours intérieur. Il ne critique jamais la politique saoudienne, par contre. Qui est la même qu'en Iran. Donc, du coup, il y a vraiment une utilisation politique de la question de l'homosexualité. Regardez ces gens-là, c'est des barbares. Regardez-nous, comment on a évolué là-dessus et comment on mérite d'avoir un pays et comme on est européen, finalement, dans l'âme depuis le début. Oui. Et donc tout ça, c'est aussi pour ne pas parler en fait du fond du problème, pour ne pas parler de ce qu'on fait aux Palestiniens. Tout à fait. Et puis les LGBT palestiniens en sont victimes aussi, c'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza et dans le reste de la Palestine est évidemment hyper préjudiciable pour les Palestiniens. Il y a pire que ça, c'est qu'il y a des homosexuels palestiniens ou des personnes trans palestiniennes qui sont repérés par les services d'espionnage israéliens. Et après, on les fait chanter auprès de leur famille en disant, si jamais tu ne viens pas un indicateur, une indicatrice, on va parler après à ta famille de ta situation. Et la personne est exposée à des situations très très grave et dangereuse de harcèlement, Une d'emprisonnement. méthode de chantage et de harcèlement. Exactement. Pardon. Alors, il faut savoir que donc il y a cette campagne-là de sourire, on va dire, campagne cool, relax, mais ça n'est pas séparé du reste du travail de la propagande israélienne dont on a déjà parlé avec le livre de Pappé et puis dans un texte que j'ai fait qui s'appelle Antisémitisme. Pourquoi y a-t-il deux définitions? Vous pouvez trouver sur le site Investigation. Et là, toujours dans le livre de Pappé, on montre comment est la vision profonde d'Israël dans sa propagande. Le général Dangote, qui coordonne la politique israélienne dans les territoires occupés, déclare, je cite, La guerre contre la délégitimation et l'opinion publique n'est pas plus facile que celle qu'on mène sur le champ de bataille. Donc un général qui dit que c'est une guerre contre l'opinion publique. Et
un peu plus loin, toujours dans le rapport, parce que ça n'est même pas secret. En Israël, ce sont des choses qu'on peut trouver. Il n'a pas été fouillé les poubelles, c'est des choses qu'ils disent quand ils parlent entre eux. Et ici, notamment, le rapport en question de l'agent juif dit, voilà, ceux qui critiquent Israël devraient être combattus comme dans une guerre. Ils devraient être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel, pardon. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter de la Palestine, on doit vraiment les salir, les faire chanter et essayer de les... Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, pas affronter sur le plan intellectuel, pardon, mais recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Bien, ça c'est. On a parlé de la Gay Pride à Bruxelles, qui est fort connue, et Oui. Israël, quelle est son attitude par rapport à ça? Maintenant, déjà, on dit Belgian Pride parce qu'il n'y a pas que des gays qui participent, il y a aussi tout le reste du sigle LGBTQI+. Mais donc, en fait, ça fait plusieurs années que le gouvernement israélien, par le biais de son ambassade, demande d'avoir un char à la Pride de Ah Bruxelles. oui. Pour l'instant, ça a toujours été Mais refusé. les États, les gouvernements ont des chars dans la... Et aucun, non, aucun État, ça c'est le règlement. En fait, c'est le règlement qui nous permet de nous protéger de ce genre de demande. Le Canada a déjà demandé, c'est le seul État à ma connaissance qui a déjà demandé aussi pour avoir une délégation. Et alors Israël demande, voilà, insiste pour avoir une délégation, ce qui est assez étonnant parce que l'Israël n'a pas des rapports particuliers avec la Belgique, elle n'a un peu rien à faire à cette Pride-là. Et puis il n'y a aucun pays représenté, comme je le disais. Alors il y a aussi Gil Ovav, qui est un cuisinier homosexuel israélien, qui est assez connu en Israël, qui est un peu une star du mouvement LGBT, qui est venu plusieurs fois. Enfin, qui a insisté pour participer à des activités de la Rainbow House, pour ouvrir des discussions, etc. Nous, on n'a jamais accepté que ça soit dans nos locaux, donc ça a été fait par une autre association indépendamment de nous. Et quand vous discutez avec eux sur ce qui est fait aux Palestiniens, ils disent quoi? On parle juste, on l'utilise plutôt des contours, on ne parle pas directement de ça, on dit écoutez, voilà, on prend pas des personnes directement envoyées par une ambassade, etc. Parce que c'est difficile, on n'est pas. Partout particulièrement armés pour systématiquement discuter de la politique palestinienne, enfin israélienne en Palestine. Mais bon, comme dans toutes les propagandes de guerre, c'est pas une instigation que je vais apprendre ça. Il y a évidemment l'utilisation de ça. Sans, je rajoute quand même, on ne parle pas ici des questions de judéité, des personnes juives, on ne parle pas ici de la population israélienne, on parle vraiment d'un gouvernement précis qui, depuis une vingtaine d'années, a une politique, ben non seulement d'extrême droite, mais en plus qui fait un pinkwashing très très ouvertement, comme vous le disiez, très très ouvertement. Affiché, largement financé. En 2016, il y a 22, il y a 2, pardon, 2 millions d'euros, 2 millions de dollars qui ont été investis pour la Pride de Tel Aviv en 2016. Donc, et les militants israéliens associatifs se sont plaints en disant pourquoi est-ce qu'il y a une énorme publicité pour ça et qu'on n'a pas d'argent, nous, associations, qui défendons les droits de nos semblables. Et en réponse à ça, le gouvernement israélien a fini par donner de l'argent aux associations, pardon. Mais donc oui, même les Israéliens sur le terrain s'en plaignent. Hein. Il y a des Agouda, par exemple, une association israélienne qui n'est pas dupe là-dessus. Et puis il y a Al-Kraus, qui est une association palestinienne LGBTQI+, qui explique clairement que non seulement on ne pense pas du tout aux Palestiniens dans cette histoire-là, mais en plus, évidemment, le blocus sur Gaza, évidemment la politique israélienne en général, est incroyablement problématique pour les LGBTQI+, directement. Parce que la contraction comme ça d'une région, la violence quotidienne, le fait qu'on ne puisse pas s'émanciper à aucun moment, qu'on n'ait pas de liberté, etc., n'a que des conséquences négatives sur les femmes et sur les Il y a beaucoup de mouvements dans le monde qui ont lancé un appel à boycotter LGBTQ+. Tout à l'Eurovision en fait. Israël, justement pour ça. Oui, parce que donc déjà en 1998, Dana International, qui est une chanteuse israélienne très très connue, transgenre, a gagné l'Eurovision pour Israël. Donc Israël était déjà dans l'Eurovision à cette époque-là, ça a vraiment fait un grand tollé. Et maintenant, aujourd'hui, il y a Netti, donc Netta, je crois que ça s'appelle Netta, pardon, la nouvelle gagnante qui a gagné la dernière à Netta Lisbonne, Barzilai. voilà, elle-même, qui a fait l'armée israélienne comme tous les Israéliens, qui a même fait un service supplémentaire volontairement, et qui chante contre le harcèlement sexuel, etc., et qui est vraiment la parfaite ambassadrice Israël, d'après les propos de Netanyahou lui-même, et qui vient Oui, donc. je fais une interruption parce que moi, ça m'avait échappé, peut-être au spectateur aussi. Lorsque Netta Barzilai a gagné l'Eurovision 2018, Israël, je reçois une dépêche là, Israël a célébré la victoire le soir même de la manifestation la plus meurtrière à Gaza. Les forces israéliennes, ce soir-là, ont massacré 62 Palestiniens sans armes. Donc, l'Eurovision friendly. Il faut savoir de quoi on parle, Oui. effectivement. Alors, je voudrais peut-être indiquer que... Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de mettre le son sur cette image-là, mais elle est importante. L'Eurovision va se dérouler dans
ce village ici, entre Tel Aviv et Jaffa. Et ce village a été complètement rasé par, il s'appelle Sheikh Mouanis, et il a été complètement rasé en 1947, donc par les troupes de la milice juive de l'Irgun, sous la direction du Menahem Begin, qui est devenu plus tard Premier ministre d'Israël, lauréat de la paix dans les années 70. Et donc, ça, c'était des... Tout le village a été complètement rasé. La seule chose qu'ils ont laissée, c'est cette grande maison qu'ils ont transformée en musée de la victoire d'Israël. Et donc, ça, c'est comment ça se passe sur le terrain. Alors, je vous ai parlé des attentats des sionistes avant 1948. Et on en avait déjà dit deux mots dans ce livre « Comment le terrorisme a créé Israël » de Thomas Suarez, qui est basé chez Investigation, qui est basé sur les archives de l'Irgun et d'un autre mouvement sioniste, les archives des Britanniques, qui expliquent qu'effectivement, ils ont commis des centaines d'attentats à la bombe et de massacres de civils palestiniens, britanniques, aussi des juifs qui n'étaient pas d'accord, entre 1936 et 1948. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. On oublie complètement l'histoire, on fait ça comme si c'était un endroit vide, et on fait comme s'il n'y avait pas eu des massacres épouvantables là-bas. Tout à fait, et donc oui, les conditions d'émancipation des LGBTQI palestiniens, ce qui nous intéresse, nous, à la Rainbow House, comme les LGBT israéliens, ne sont pas remplies, mm-hmm. et il est impossible que ces mouvements, s'ils ne sont pas subsidiés, s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas soutenus, puissent se développer. Donc la situation des LGBTQI est catastrophique là-bas, dans toute la région aussi, et il est vrai qu'Israël s'appuie sur une réalité, c'est-à-dire que la situation aux alentours est catastrophique pour les LGBTQI+, mais c'est très relié à des questions de guerre, des questions d'argent, des aussi de convictions, etc. Hein, mais donc, Israël n'a pas l'intention de soutenir les citoyens palestiniens sur cette question-là. C'est juste du marketing. Je regarde parmi les commentaires et les questions que nous recevons, s'il y a des questions précises. Je vois que vous êtes assez nombreux à participer. Oui, voilà. En général, c'est plutôt des approbations ou des commentaires, mais pas vraiment des questions. Quelqu'un qui demande sur l'Algérie. On a fait une émission avec Saïd Bouamama, on a publié plusieurs articles, donc regardez dans les précédents Michel Midi. C'est très important ce qui se passe là, mais on ne peut pas en parler dans chaque émission, je vous comprends. Je disais donc qu'il y a eu... un parallèle, oui. Excuse-moi, excusez-moi, non, pas de problème. Un parallèle intéressant avec l'Algérie. Dans les 132 ans de colonisation française en Algérie, il y a l'arrivée des Français en Algérie et la ségrégation sexuelle locale en Algérie, donc les hommes et les femmes vivaient très, très séparément, a beaucoup interloqué les Français, et les Français considéraient que les Algériens étaient homosexuels, très homosexuels. Ils avaient des comportements complètement éphèbes, anormaux, ils étaient trop tactiles, etc., trop proches physiquement. Et donc il y a aussi toute une utilisation dans la colonisation française en Algérie de la prétendue figure homosexuelle de l'homme arabe algérien. Et donc, on a beaucoup parlé de, justement, l'inverse du pinkwashing actuel, de, voilà, on va apprendre à ces homosexuels à se comporter correctement. Ouais, rééduquer. Voilà, leur turpitude. À Paris, il y avait les Algériens aussi. On disait, les Algériens, entre eux, ont des relations sexuelles, ils sont étranges. Ne vous laissez pas contaminer par les Algériens et leurs pratiques sexuelles. Donc, il y a vraiment cette politique-là. Le colonialisme, c'est l'un ou l'autre, selon les intérêts. Voilà, ça a évolué. OK, c'est intéressant. Je disais qu'il y a de nombreux appels des Palestiniens à boycotter l'Eurovision. Et voici la photo d'une maison qui a été détruite il y a quelques jours par Israël. Une parmi des milliers d'autres, malheureusement, ça vient de se passer. Et donc, sur
sud-africains noirs qui subissaient un racisme et un assujettissement horribles et violents pendant que Nelson Mandela et tant d'autres étaient enfermés pendant des années dans les prisons de Robben Island. Les musiciens, dit cet appel, étaient aux côtés de l'histoire à l'époque. Et ils avaient raison. Demandez-vous quelle sera votre contribution si vous vous produisez en Israël alors que des héros sud-africains de l'anti-apartheid, Desmond Tutu, le petit-fils de Mandela et d'autres, ont tous appelé au boycott, en disant que ce qu'ils ont vu en Palestine est en mains endroits pire que ce qu'eux-mêmes ont souffert. Si vous ne nous écoutez pas, disent ces artistes et intellectuels de Gaza, alors que nous gémissons sous les bombes d'Israël et face à leurs balles, est-ce que vous les écouterez, eux? Voilà, il faut savoir que, selon les statistiques palestiniennes, cette année-ci, plus de 270 protestataires palestiniens ont été tués, 17 000 blessés, 6 000 aux jambes, avec notamment des médecins, des journalistes, des infirmiers et beaucoup de gens qui seront donc handicapés à vie. Ça, c'est l'autre côté de l'Eurovision. Et par rapport à ça, il faut souligner que le mouvement de boycott se développe largement. J'ai pris un exemple de Roger Waters, c'est ma génération évidemment, qui... le célèbre créateur et chanteur des Pink Floyd, qui s'engage très très fort pour BDS, vous allez trouver beaucoup de choses pour le boycott donc, d'Israël, et ici il a posé devant le mur à l'époque du premier ministre précédent, et donc « Hey Olmert, leave that land alone », »,« Laisse ce pays tranquille », dit-il au premier ministre. Un commentaire sur la situation des artistes, des intellectuels par rapport à toute cette affaire en Palestine. Il y a le TLV Fest, par exemple, qui est le festival de cinéma LGBTQI+, de Tel Aviv, qui a été boycotté par pas mal d'artistes français, américains, anglais, où les films, donc, la production LGBTQI+, cinématographique, pardon, se retrouvent là-bas. Et donc, on refusait que leurs films soient instrumentalisés. Il y a aussi une volonté de proposer tous ces films israéliens, cette fois-ci, dans tous les festivals du monde. Il y a certains festivals qui refusent. Et puis à la fois, c'est super compliqué pour nous, association LGBTQI+, parce que non seulement on veut soutenir les Israéliens LGBTQI+, évidemment, la population qui est favorable à ça, évidemment, mais en même temps, on est instrumentalisé là-dedans. Et on ne veut pas que ça couvre les crimes israéliens, et on ne veut pas que ça couvre non plus le fait que les Palestiniens n'ont pour l'instant aucun droit. Donc le mouvement de défense des droits est en proie à tout un débat, il y a différents courants, il y a différentes positions. Tout à fait, et puis il y a énormément de tourisme qui fonctionne très bien à Tel Aviv, donc ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes, dont beaucoup de Belges, qui vont en vacances à Tel Aviv, sur la plage, juste à côté de la Palestine occupée, et les gens reviennent après avoir été en couple avec un Israélien, après avoir rencontré un magnifique Tel Aviv, moderne, chaleureux, ensoleillé, reviennent hyper convaincus qu'Israël est pas si trash que ça finalement dans sa politique, qu'il faut lui laisser une chance, qu'on est un peu difficile, qu'il faut pas boycotter. Et donc nous on a toujours bataillé avec cette question-là pour ne pas pointer du doigt le peuple israélien, ni absolument quelconque personne de confession, de culture, d'identité juive, mais bien expliquer que le gouvernement israélien pose énormément de problèmes et nous manipule les personnes locales, et qu'il faut ne pas oublier que la situation est totalement illégale actuellement en Palestine. Au regard du droit international, oui, tout à fait. Je regarde s'il y a encore des interventions et des questions. On parle de BHL, bien sûr, mais bon, on n'a pas parlé qu'il a de BHL à chaque BHL. Michel Midi, mais je vous comprends. Pourquoi l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est différent? Bon, alors l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça fait partie des 11 pays du monde qui proposent la peine de mort pour les personnes homosexuelles, donc pour la pratique homosexuelle, et pour les transitions de genre, donc c'est-à-dire être une personne transgenre et faire une transition, c'est seulement l'Arabie Saoudite. L'Iran le permet et le rembourse par la Sécurité sociale. Et donc, pourquoi l'Arabie Saoudite est différente? Parce qu'à mon avis, Netanyahou n'a pas envie de se fâcher avec l'Arabie Saoudite, il n'a pas envie de pointer l'Arabie Saoudite du doigt, mais l'Iran est l'ennemi historique de l'Israël, et donc du coup, il en profite pour taper un peu plus sur le clou en disant « Regardez ces Iraniens, comme ils traitent mal les homosexuels, les femmes, l'écologie, le véganisme, tout ce que vous voulez. » Donc tout ça fait partie d'une idée nouvelle, comme si en plus les Européens, je rappelle quand même qu'en Belgique, on a dépénalisé l'homosexualité en 1972, que l'Organisme mondial de la santé a retiré l'homosexualité comme maladie mentale en 1991, donc moi j'avais 5 ans, c'est très récent. Et donc du coup, cette idée que l'Europe aussi, surmoderne, surprogressiste, sur les questions LGBTQI+, c'est tout à fait fausse. Il reste toute l'Europe de l'Est qui a des gros problèmes, il reste même l'Europe du Sud qui a des gros problèmes.
Et donc cette idée, voilà, que pour être moderne, pour être civilisé, il faut être LGBT-friendly et instrumentalisé et utilisé. Et de l'autre côté, on fait aussi d'ailleurs l'inverse, c'est-à-dire que les Iraniens, les Saoudiens, beaucoup d'autres pays du monde, les Ougandais, les Russes disent, ben nous, on n'est pas des PD d'occidentaux, si vous me passez l'expression. Et donc du coup, on n'est pas comme ça, on n'a pas des mœurs particulières, nous, on est traditionnel, on n'est pas LGBTQI+, du coup, on n'est pas occidentaux. Donc ça, c'est... Oui, j'entendais, pardon, j'entendais qu'au Brésil aussi, ou dans certains pays de l'Est, on disait, voilà, ça c'est une maladie qui vient de l'Occident, Oui. donc un commentaire personnel. Bon, déjà, il y a des homosexuels partout dans le monde et des personnes trans au même pourcentage depuis l'histoire de l'humanité. Il y a plein d'historiques dans la littérature perse, ottomane, par exemple, d'histoire homosexuelle, au Maroc énormément, au Cameroun énormément, etc. Et je rappelle aussi que les lois, la loi 347 bis du code pénal camerounais, la loi 489 du code pénal marocain, par exemple, ce sont des lois coloniales françaises qui interdisent toutes les deux l'homosexualité, la pratique homosexuelle plus précisément. Et en fait, donc, ce sont des lois françaises. Donc, c'est les Français qui, avec la colonisation, ont apporté ces lois-là. Ce n'est pas du tout des lois historiques des régions en question. Donc, voilà, il y a une confusion sur ces Un bon questions-là. bilan du colonialisme qui Voilà. s'imposerait. Comme on dit toujours, il ne faut pas occulter l'histoire, au contraire, il faut l'étudier pour comprendre ces choses-là. Bien, un commentaire, une conclusion, un appel au public par rapport à l'Eurovision. Donc, on éteint le poste et on signale à tous ses amis de la regarder. Alors, ça va être difficile parce que c'est projeté sur écran géant par Visit Brussels, donc à Bruxelles, par l'Office du tourisme bruxellois, pendant la Pride, c'est le même jour. Donc moi, personnellement, je ne vais pas regarder, mais donc, si vous passez devant l'écran, cachez-vous les yeux. Non, mais donc, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais sachez qu'il y a toute une propagande israélienne qui, pour cacher les crimes de guerre qui a lieu grâce à l'Eurovision, et que c'est une aubaine incroyable pour se montrer progressiste et génial, et qu'il ne faut pas être dupe de ça. Et bon, les gens regardent ou ne regardent pas, ça se regarde, mais. Il ne faut pas être dupe de toute la politique qu'il y a derrière et tout ça n'est pas anodin. Très bien, voilà une bonne conclusion. La semaine prochaine, je vais accueillir Bernard Houdin, un proche du président ivoirien Laurent Gbagbo, qui vient d'être libéré. Enfin, c'est très bizarre. Il a été emprisonné sur ordre de Sarkozy à La Haye, à la Cour pénale internationale. On lui reprochait toutes sortes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. On lui reprochait surtout de ne pas se mettre à genoux devant les multinationales françaises, ça c'est mon interprétation. Bref, il a été pendant 7 années, 8 années même, à La Haye, emprisonné, et là, on vient de l'acquitter parce que, en fait, le dossier est vide, il n'y a rien, et il y avait des témoins à charge contre lui, mais ils se sont retournés et ils ont tous dit que non, ces procès n'avaient pas lieu d'être. Alors, il a un statut très bizarre. Il est acquitté, mais il n'est pas vraiment libéré. Il y aura peut-être un appel, mais on ne sait pas encore. Et en attendant, il peut faire ce qu'il veut. Donc, j'accueillerai Bernard Houdin pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très, très intéressant. Et la semaine prochaine aussi, il y aura un Michel Midi, pardon, spécial avec Romain Migus, un jeune Français qui a vécu très longtemps au Venezuela, qui est de retour en France maintenant. C'est pour moi un des meilleurs connaisseurs de la situation au Venezuela. Et il va vous raconter en témoignage personnel comment il faut analyser tout ce que les médias ici en Europe racontent sur le Venezuela. Voilà, ne ratez pas ces deux émissions, mardi et vendredi prochain. Je vous remercie pour votre soutien. À la semaine prochaine. Merci Olivier. Merci beaucoup. On n'est plus en direct. Encore On est une encore en direct. seconde.